Allez, coucou YouTube, c'est la suite. Après, ça te fait chier à chercher des coffres dans toutes les époques. On va normalement chercher les derniers au futur avant de continuer notre chemin. Faut-il encore trouver où étaient les coffres? Ça, c'est encore. Vous savez où c'est qu'il y en avait un? Je me souviens, c'est qu'il y en avait un. Dans un endroit, il y avait un laboratoire de robots. Ici, peut-être. Ici. Ici, je me souviens très bien qu'il y en avait un. Je sais plus de quel côté, mais je crois que c'était par ici. C'est par là qu'il y en avait un, je me souviens. Mais alors, où? Ça, par contre... Ça, c'est pas gagné, hein. Ah, purée, ma mémoire. Ma mémoire me joue des tours. Oh non, pas ça. Oh, pas la grue. Mais je veux quitter. Je veux quitter la grue. Merci. Oh non, foutez-moi la paix. Il y a double monstre ici quand même à chaque fois. C'était où? C'était pas là. Oh, il y avait un chemin ici, on connaissait pas. Je crois qu'ils craignent pas les dégâts, si ça. Oh non! La pince! Oh non, fallait pas se faire attraper par la pince! Ça va aller plus vite, allez. Ouah, c'est parti! Donc il faut passer sans se faire toucher. Ça pour un éther. Tu peux pas me faire ça. Là, il y a que dalle. Bon, c'est pas ici, apparemment. Je suis sûr qu'il y en avait un, 100%. Hein. J'ai sûrement débloqué des nouvelles capacités, d'ailleurs, mais j'ai pas... Bon, sa vie, on l'avait déjà, glace 2, on a rien de plus. Je suis sûr qu'il y en avait un ici. Ça te parle, Efia? Quelque chose par ici, là? Un coffre? Noir? Il me semble que oui, perso, mais... Peut-être que je me trompe. Ça te dit quelque chose. Je suis quasiment sûr à 100% que de l'autre côté, en fait, pour moi c'était de l'autre côté. Oh merde. Je pensais qu'en passant loin ça passait, mais... J'ai souvenir que ici, et quand j'allais tout au bout là-bas, là... Ah c'est peut-être là. On n'est pas venu ici. Ah non, bah non, il n'y a rien. Alors je me trompe peut-être, bon. Ce qui n'est ma foi pas impossible. Il n'y a pas de coffre ici. D'accord, merci. Je croyais. Ici, y a rien d'autre. Là, il y avait Motoman.
Ouais, Motoman, voilà. Est-ce qu'il y avait des coffres par ici? Je crois pas, mais dans le doute, on va quand même jeter un petit coup d'œil, hein, un petit coup d'œil. C'est pas comme si on... ça allait pas vite. Oh putain. Oh le piège. Oh le piège à rat. C'est bon, ça va vite. Petit turbo. Bon, il y avait que dalle aussi. Ouais, motoman là, c'est bon la moto. Hein. C'est rien qu'un treasure. Ah, ici. Ici, je me souviens pas d'avoir vu. Oh, un minouze. Je crois qu'on se l'est fait avoir la première fois de la même manière. On avait dit oh le Minouz, trop mignon, on a été le voir et puis on s'est fait avoir. Ah oui mais là comment je fais pour passer sans toucher? Ah, ça passe. Ça c'était un faux, on s'en souvient. Hein. C'est long un vrai Apex dans le jeu. Hein. Parce que finalement, même avec le turbo en allant vite, c'est... On débloque pas non plus un milliard de compétences ou quoi. Parce que là, je vois, on gagne 2 à chaque fois. 3, c'est pas énorme quoi en termes de... Faites le tour par l'arrière, appuyez sur le bouton. Oui, ça on l'avait déjà fait. C'est pas par là qu'on a dépassé, hein. Patapat. Je sais plus. Mais non, là c'est d'où on vient. Oh le con. Oui, c'était par là qu'on était passé. Ok. Ah mais là, le monde de la mort, on était venu une fois, je crois. Ah oui, on pouvait pas venir. On pouvait pas venir, ça, c'est ça l'histoire. Oui, je me souviens. Ben, ça, c'est là où je dois aller. Alors du coup, on aurait peut-être dû venir après. Suis-je bête? Cela dit, si on passe par là, est-ce qu'il me reste encore un endroit à visiter? Je suis sûr qu'il y avait des coffres ici, hein, dans le passé, dans le futur. Il n'y avait pas que la porte de ses morts, il y avait aussi la... Il y avait des coffres, mais je me souviens plus où c'était. Mais la faim est encore là. Bah, t'as qu'à changer d'époque, aller manger et tu reviens après. Hein. Plus vite. Hop. Oui, c'est vrai qu'il y avait lui. Raman. Ah oui, là, c'est Morman aussi. Mais ça, on se souvient très bien de toi. On se souvient très bien de toi. Oui, toi aussi, on s'en fout. Par où? Oui, c'est par là.
Ah non, poussez-vous. Poussez-vous. J'ai pas le temps de niaiser. Oh putain, y'a pas de coffre au bout. Y'a pas de coffre. Oh non, touché. Oh, c'est chiant votre bruit là. Ah, mais il y a une porte là. Tiens. Oh. Oh, des coffres. Rambe l'humain. Élixir. Bakou. Bijou d'or. Capsule force. Oh. On est refait. On est refait. On a nous de la... Ah, ça commence à prendre un peu de la gueule là. Donc on a eu, laissez-moi me souvenir, on a eu... Bague coup. Coup plus 10, ok. On augmente les HP max de... Ah ouais. Bah, on l'avait pas... Attends, les HP max de 1,5. Et finalement, c'est pas ce qu'on avait là déjà, avec elle. Invoque le... Attendez, c'est quoi ça, roche noire? Invoque triple technique ténèbre. Bon, la personne qui faisait encore les triples trucs très ténèbres, machin, là. Bijoux argent. Et bijoux or. C'est encore mieux. Putain, les bijoux argent, c'est où? Ah, de 1 quart, et là, de 1,5. Oh, putain, trop bien. Attendez, est-ce qu'il y a pas... Mince. Est-ce qu'il y a pas autre chose de caché? Non, touché. Ah, pas mal, vous voyez, on a bien fait d'explorer quand même. On a trouvé plein de trucs. Bon, je suis sûr qu'on a loupé des coffres noirs quelque part. Hein. Je regarderai off-stream et on ira chercher ça la prochaine fois. Pour trouver ce qui manque. On obtient un point de technique à peine quoi. Alors, tellement ils sont nuls les monstres. Bon, il faut 500. 99. Je crois que séduction c'est bien. Je crois que ça me permet de quand j'utilise, je vole des objets aux monstres. Une sorte de vol quoi. Il me semblait vraiment qu'on ait croisé plus de coffres noirs que ça. Hein. Faudrait régaler toutes les VOD. La sortie. Attends, il n'y avait pas un truc d'ailleurs là? Hop, ça c'est Buenos. Qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste une zone là, c'est ça? Bah allez, voilà, l'héroïne 16. Oh non, foutez-moi la paix. Foutez-nous la paix là, on n'a pas le temps. Peut-être ici que j'allais trouver un coffre noir aussi. Je veux juste tester un truc d'ailleurs, le coup de la vitesse là, si je me mets à fond. Attendez, équiper. Voilà, là, si j'attaque. Est-ce que la vitesse où ça se recharge là? Ok, et si je fais... Ça. Ah ouais, ça va encore plus vite. Ouais.
Donc effectivement, on peut quand même bypass, malgré le fait que je sois à fond en vitesse, on peut quand même aller encore plus vite, quoi. Ok, c'est bon à savoir. C'est ça. Je crois la contre-attaque d'un demi. Ok. Écoutez, ben ma foi, au moins on le saura. Hein. Oh non, laissez-moi tranquille. Oh non. Ah non, eux, ils me volent des potions. Je me souviens. On farm. Non, on vole pas mes potions. Oh non. Mes potions. Oh non, mes potions. Il y en avait encore un qui traînait par là, je me souviens. Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre, hein. Ça fait un peu dans la farine. Il y avait d'autres endroits ici, je me souviens plus. Une porte dès le début. Ah, oh, des coffres, oui. Bustier. Ethermax. Trop bien, des coffres. On a trop de trucs par contre là maintenant. Bustier, ça doit être pour toi ça, non? Un truc est là-dedans. Remplace les points d'expérience en argent. Ah, c'est pas mal. Je crois qu'Effiel aimerait bien l'avoir, ça, dans le jeu. En Tales of. Et alors, le bustier, par contre... je sais pas du tout... Renforce séduction. Ah, c'est pour elle ça. Renforce séduction. C'est son truc pour elle ça. C'est sa magie, sa séduction. Oui, c'est ça, séduction. Séduire les ennemis pour voler un objet. En fait, finalement, ça s'appelle vol quoi. Ça augmente les chances de vol quoi. Attends, juste pour tester un truc, là. Où est-ce qu'il mène, ce téléporteur? Oui, voilà. Un téléporteur que je n'avais pas encore activé. Tout simplement. Qui avait ici? Qu'est-ce qu'il y avait ici? Bah, encore une porte! Oh, mais il y a plein de portes ici en fait. Oh, des coffres. Boucle d'or. Ethermax. Capsule magie. Ah, on se met bien. Ah, attendez. Boucle d'or. MP réduit de un quart. C'est mieux que ça alors, parce que... Argent. MP réduit de 1,5. Je crois qu'il y a un problème sur la traduction. Parce que là, ça coûte. Là, ça coûte 2. Et là, ça coûte 4. Ouais, je pense qu'il y a un problème sur le... MP utilisé réduit de 1 quart. Ah non, en fait c'est réduit à 1 quart. Là je paye que 1 quart alors qu'avec l'autre je paye la moitié. Je pense que c'est ça qu'il faut voir comme ça. En fait c'est pas réduit 2, c'est plutôt...
que ça me réduit que d'un quart, du coup. C'est réduit à un quart. Le coût. Le coût est réduit à un quart. Enfin, vous avez compris? Vous avez pas compris, tant pis. Ok. Ouais, faut aller voir Papy Brossard maintenant. Souvenons-nous, Papy Brobro. On a dit qu'il était où? Ah oui, de l'autre côté, là-bas. Là-bas. On n'a pas la moto. La moto... On peut crever à l'enfer, la moto. Ah non, c'est moi la paix. On a pas eu un truc qui s'appelait machin lumen aussi, je sais pas quoi là. Quelque chose lumen. Attendez. C'était quoi juste ça soigner ça non? Je sais plus. Robe lumen. Ah ouais ça voilà. Défense magique plus 5. Ça va à qui ça? Ah ça va à elle, par exemple. Ou à elle. Ah mais elle a moins de def. Hop. Parfait. Alors foutez-nous la paix. On ne veut plus vous voir. Déteste. Ok, et ensuite on a dit qu'il fallait aller dans les égouts. Oui. Hop, ça passait pas là du tout. Là c'était ici, ensuite c'était ici. C'est bon, j'ai le chemin en tête. Voilà, et là. Chez Papinou. Oh Jean-Martin qui dort. Il faut lui gratter le dos. Ah là, le programme qui m'a été intégré, il fut celui des funérailles du professeur. Ainsi, je pourrais passer du temps avec le docteur. Pour l'éternité, hein? Il me semble que j'avais une autre tâche à accomplir. Erreur du programme, mes banques de données ont échoué. Il est mort, ça y est? Il était vivant et là, il est mort. Ah bah super. Et où papy? Je m'adresse aux personnes qui ont ouvert cette porte. Je suis Gash, le sage de la raison. Le royaume de la magie, Zil. J'étais propulsé jusqu'à cette époque lors d'une grande catastrophe qui a touché Zil. C'est avec surprise que j'ai constaté que Lavos ne s'était pas manifesté qu'à mon époque. Il y a des millions d'années. Lavos est tombé du ciel, a surgi à Zil, puis a continué de croître en absorbant l'énergie de cette planète profondément enfouie sous terre. En l'ancissant du calendrier du royaume de Gardia, il est apparu brièvement lorsque Mao l'a invoqué. En l'an 2000, bien sûr, en 1999, même calendrier, il a émergé pour conquérir la surface de la Terre. Ensuite, il a engendré des larves à une cadence incroyable à l'endroit que j'ai surnommé le monde de la mort. La voix, c'est un parasite géant qui a fait cette planète son nid. De mon côté, j'ai continué d'observer et à étudier la voix ici. Cependant, j'ai déjà atteint mes limites. Il est sans doute impossible de maintenir un esprit sain et vivant à une telle époque. Avant que mon esprit n'accepte la mort, j'ai décidé de laisser cet enregistrement, ainsi que mon ultime chef-d'œuvre. J'ai poursuivi tant bien que mal mes recherches pendant des années dans l'espoir de retourner à mon époque. Mais alors que j'atteignais enfin mon but, j'arrivais aussi au terme de ma vie. C'est pourquoi je vous confie ma création à vous qui avez ouvert cette porte. Si on pouvait aller et venir à travers le temps, si les humains de toutes les époques s'unissaient pour le bien de cette planète, alors Lavos pourrait être vaincu. La probabilité est proche de zéro, toutefois, tant qu'elle n'est pas nulle, tenterai ma chance. Je miserai la planète entière sur ceux qui ouvriront cette porte. Alors franchissez la dernière porte, puis allez à la rencontre de mon ultime invention. Les ailes qui traversent le temps. Qu'est-ce que c'est?
vaisseau. C'est un vaisseau. Ça, elle. Oh, c'est incroyable. Mais comment on fait pour connaître l'avant de l'arrière? Il faut monter dedans, hein. Aller parler au robot. Alors, tu lui as mis la mémoire dans la tête là. Il doit pouvoir nous aider. Vous avez l'air étonné. C'est moi. Oui, c'est Gash. J'ai copié ma mémoire dans le cerveau de cette créature. Cette créature vous a plu. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous expliquer. C'est le moyen d'aller dans une autre époque. Presse le bouton Y pour afficher la jauge du temps. Ensuite, utilise les boutons L et R pour sélectionner l'époque à laquelle vous voulez aller. Ah, et puis j'ai oublié. Avant de partir, que diriez-vous de donner un nom à ma machine à voyager dans le temps? Époque. Ça s'appelle Époque. Allez, montez à bord. Mettre la machine en marche. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a là? Préhistoire, ça, on est d'accord. 65 millions d'années. Âge noir. Donc ça, c'est le... Ok. C'est là d'où il vient, lui. Moyen-Âge, ok. Présent, ok. Apocalypse, là, on a maintenant. Fin des temps, carrément. Donc, on peut aller à l'apocalypse ou à la fin des temps. Eh bien écoutez, allons voir l'apocalypse. Bonne ambiance, les bonnes ambiances. Ah oui, là, elle est contente à côté. Wouah! Époque être très puissant, époque très rapide. C'est incroyable, époque capable de cela. Quoi? Ah, chose forte, chose très forte. Ah oui, là, apparemment, il y a... Ah oui, c'est quand il est sorti. On l'avait vu, ça. Et comment il peut sortir alors que les autres, ils l'avaient mis dans le ciel? Pour le mettre sous l'eau. Et là, il est sous un continent d'un coup. Moi plus. Ah c'est... Ah bon, on le voit enfin. Il est dégueulasse. C'est la bosse. Que nous faire, Kronos? Bon alors, attendez, on va sauvegarder, on va rigoler. Ah tu as raison, nous combattrons aussi pour Don. C'est qui Don? Et les autres? Ah pas fuir, combattre. Et qu'est-ce que tu fais? Bah je sais pas moi... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour la fin du jeu, tu vas te faire dégommer. Oh, je teste, je teste. Je sais pas où on peut déjà y aller. Si on peut y aller, c'est que j'imagine que... Si on peut y aller, c'est qu'on peut y aller, quoi. Ah, ça marche pas, ça. Super. La partie gauche répare le corps entier. Quoi?
Zéro ? La voix change son mode d'attaque. Et nous remonte tous les boss. C'est pour le New Game Plus. Bon. Attendez, on y est, on va tester. On va très bien s'en sortir. Même si j'ai de doutes. Je peux te dire que la voix, il va se faire laver. Effondrement. Hein. La voix, c'est en son mode attaque. S'il nous reste comme boss, là encore, qu'on a fait. Je me souviens plus. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'on peut... Si c'est pour le New Game Plus, pourquoi on a déjà accès à ça? C'est-à-dire que le mec qui farme le jeu à 100%, genre qui fait... Genre, même avant d'arriver à la fin du jeu, on va dire qu'il se... Il se monte le level à fond. Il se fait chier à farmer, à farmer, à farmer. Bah, genre, à la fin, il a... Il peut atteindre le... Enfin, il peut faire le game plus avant d'avoir fini le jeu. C'est pas de ma vie que je vois ça. Genre tu peux faire le boss final avant d'avoir fini le jeu. Finalement c'est un petit peu comme Zelda Breath of the Wild. On peut faire le boss dès le début du jeu. C'est incroyable. Finalement Breath of the Wild n'a rien inventé. En fait, il a les mêmes techniques que les anciens boss, quoi. Tu te retapes tous les boss, en fait, quoi. J'ai bien compris. Attendez, qu'est-ce qu'il va aller faire sur lui ? J'aurais dû changer de personnage. Ah oui, c'est ça, voilà. En fait, il avait deux parties, c'est ça l'idée. Je m'en souviens, ça y est. Il fallait détruire la tête en premier. Vol de MP, oui voilà, c'est ça, il nous volait nos MP. Et après il nous marchait dessus. C'est qui lui déjà? Je me souviens plus qu'est-ce qu'il faisait lui. Craignait la foudre, non? Je sais plus. Je peux rien faire, oui. Est-ce que
que c'est fort ça. Oh oui, c'est même très très fort. C'est même ultra ultra fort. J'achète. Ah ouais, ouais, ça c'est très fort. Je cherche son mode d'attaque. Qu'est-ce qu'il dit hein, maintenant? C'était qui lui déjà? Je me souviens plus ce qu'il faisait lui. Lui c'était la foudre. Je me souviens maintenant. Alors, Lavos. 'Casser la gueule, hein. Ah, pas du tout. Ah oui, non, voilà, non, ça y est, je me souviens. Il fallait faire foudre. Et après, on pouvait l'attaquer. Ça donne quoi ça? Est-ce que ça donne que c'est fort ou c'est juste... Je pense pas mal. On les connaît ces combats, on accélère un peu. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est foudre. Into. Glace, into, sauvagerie. Et pas besoin de faire foudre 2 en fait. Juste foudre 1 suffit en fait. Je sais plus s'il fallait que je refasse foudre après derrière pour justement... cancel son truc où il relâche l'énergie. Oh, il est mort. C'est qui le prochain? Alors, lui, il était fort par contre. Hein. Lui, j'ai morflé contre lui. Hein. Et là, tout ça pour rien parce que, comme on n'a pas battu tous les boss, du coup, on va pouvoir aller plus loin que. Oui là, donc là du coup c'est feu, donc c'est l'emmerde. C'est l'emmerdement. Du coup on a pas de feu. Comme j'ai pris elle, là, la nulle. Oh, il refait feu encore. Oh, bon, c'est enchaîné, c'est bien hein. Ténèbres. Ah, c'est glace ça. Ok. Non, là je veux faire ça. Ça. Oh non, pas feu. Tout mais pas feu. Oh merde.
je savais pas que le feu ça healait. Attends, si les feux et que je fais ça, logiquement. Logiquement, la glace. Ah non, d'accord, tout soigne en fait, tout soigne sauf le feu. My bad alors. Ah non mais feu, il fait que ça, il fait que ça. Oh là là, le relou. Oh là, relou man. Relou man. Il faut qu'il change d'élément. C'est quoi, c'est ciel ça? Ok. Ah non mais... Putain, faut que j'arrête de le taper en fait. Faut que j'arrête de le taper. Non, d'abord il faut qu'on se soigne parce que sinon on est dans la merde. Et là, on va faire morsure électrique. C'est tout. Mais non, putain, il a tapé, il a contre-attaqué. Ah, ça va. J'ai glacier. Ok, changement de barrière. Donc là, on l'attaque. Un changement de barrière. Parfait. On se fait chier, on se fait chier, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Glacier. Okay, il a pas changé apparemment. Donc on peut refaire ça. Boum. Peut mourir un peu. Après t'as lancé un sort. Ça veut dire quoi ça? Ça pue du cul pour nous. Allez, faut mourir là. Il veut pas crever? Oh non! Je me suis trompé de personnage. J'appuie à droite mais c'est parti sur le personnage de gauche. Oh fait chier. On va gérer. Bon ça va, il est mort. Ça c'est le dernier boss qu'on a fait ça. Ouais. C'est le dernier boss qu'on a fait je crois. Donc logiquement après ça c'est fini. Ou alors on découvre des boss à l'avance du jeu qu'on n'a pas encore fait. Ça, ça serait marrant quand même. Ça serait cocasse comme histoire. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire contre lui déjà? Je me souviens plus du tout. Je crois qu'on avait fait ça. On avait vraiment full focus le... lui là. Lui, on l'avait vraiment full focus. Ah oui, non, c'est ça. Oui, je me souviens. Et après, c'est du milieu, fallait lui faire des dégâts pour lui casser la barrière. Oula.
Ah ça tiens, il ne l'avait pas fait ça. Ah si si si. Vous avez téléporté dans tous les sens. Il a crevé l'autre là. Téléportation d'un rocher. Ok, on est prêt. On est ready. Ah, jamais il meurt ou quoi là? Il avait tandis que ça lui là-haut. On a pas eu ça par contre, ça tient. Ok, ça y est, oui, c'est bon. Donc là, il fallait bourrer, je crois. Pour lui casser le bouclier. Voilà, accumulation de puissance. Ah, mais la glace, il craint pas, je crois. Une histoire comme ça, lui. Ah si si, c'est bon, c'est la glace qui craint. Ah, l'animation, c'est long là. Hey, tu peux compter, Jackie. Tu nous fais pas peur. Hein. Ah, tu crois que tu nous fais peur? Un coup de 1200 là. Je vais te laver le cul moi. On va mourir. Merde, je suis attaqué. Allez, on connaît pas ce boss. Bon, du coup, effectivement, si c'est le endgame qu'on va se taper tous les boss, bon, y a des chances qu'on ait pas assez de. Parce que là, jusqu'à présent, je m'en sortais parce que on faisait les boss qu'on connaissait facile. Là, en fait, plus on avance, voilà, voilà. Là, le problème, c'est que, voilà, typiquement, on arrive à un niveau où on n'a plus du tout le level. Ça fait mal quoi. On le tente quand même, on le tente. Hein. On est là pour le challenge. Hein. La partie défensive revient à la tête. Ah. Faut mourir là. Et voilà, quand ils nous font ça, on se fait vraiment littéralement éclater le cul. Hein.
Ah, on a quand même réussi à péter un... Ok, il est mort. Il y a des attaques physiques au milieu d'ailleurs, on sait pas trop. Ouais, apparemment ouais. Bon, déjà on sait que ce boss là on peut le littéralement le ratatiner hein. Ah non. Il a réinvoqué les sbires. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour les sbires. Faut tuer lui là. Il est mort. Et là, c'est les emmerdes, quoi, c'est ça? C'est ça que je dois comprendre. C'est ça que je dois comprendre, là. C'est genre les emmerdes, maintenant. C'est le vous n'êtes pas censé être ici qui commence. Voilà, là on se bat contre Lavos du coup. Ça y est, j'ai mal au cul. Ah! Bon, on aura réussi à arriver jusqu'à Lavos. Pour arriver là. 30 minutes pour arriver là et se faire casser le cul. On aura vu ce qui se passait en perdant. Et donc, effectivement, à l'apocalypse. Donc ça en fait c'est ce qui se passe dans la timeline normale, ce qui fait qu'on arrive là en fait finalement là où... Le truc s'était touché de plein fouet. Ah, calmez-vous, dans quel état sont les autres villes? C'est ce qui fait qu'on arrive dans le futur qu'on connaît en fait. Pas le pourri, Coras, Medina. Elles ont toutes été pratiquement détruites. Oh, monsieur le directeur, ça devient dangereux ici aussi. Que tout le personnel se réfugie dans le dôme protecteur. Monsieur le directeur, vous devez venir avec nous. C'est qui ce gars?
Oh, y a pas de temps à perdre, dépêchez-vous. Oh, vite. À vos ordres. Lavos. Qui est ce directeur? Et le futur refuse de changer. C'est marrant qu'ils aient fait une fin comme ça, alternative au reste du truc. Bon, du coup, hein, on fait fuir. On aura vu cette mauvaise fin, entre guillemets. Allons à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il y a à la fin des temps? La fin des temps, c'est là où on était la dernière fois. Attendez, descendre en plein gaz. C'est quoi descendre? Oui, voilà. C'est ça. Ah, cet homme a vraiment achevé les ailes qui traversent le temps. En échange de sa vie. Pourquoi ne retournez-vous pas dans l'ancien royaume de la magie à bord de ce vaisseau? Dans l'ancien royaume de la magie. Laissez-moi voir si vous avez besoin de mon aide, je vous guiderai à travers le temps. Lui, toi, t'as rien de plus à me donner, toi. Ah, Kenana sexy! Malheureusement, ma chérie, tu es née avant l'époque de la magie. Ah, tu es canon, mais tu peux pas utiliser la magie. Ah, le lourdeau. Attends, l'époque. L'ancien royaume de la magie. C'est quoi l'ancien royaume de la magie? Attends, si je fais plein gaz, c'est quoi plein gaz? Ok. C'est là l'ancien royaume de la magie en fait, on doit retourner au... Fou là. Ah oui, bah oui, du coup, je suis bête. On pouvait plus revenir, mais du coup, on peut revenir. Oh là là, mais l'Alzheimer. Non, mais on avait plein de trucs entre temps, j'ai oublié. Hein. Là, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, on peut monter maintenant. Oh, bienvenue à Algeti, le village du peuple de la Terre. Nous, peuple de la Terre, nous avons été bannis de Zil. Le royaume des cieux, parce que nous n'avons pas de pouvoir magique. Ah, c'est des connards. De nombreux terriens ont été amenés de force pour contrôler le palais océan. Ils ne sont jamais revenus depuis. Voulez-vous acheter quelque chose? Ah bah oui. C'est ça qu'on veut, mon petit. C'est ça. On prend. Ça on en prend au moins un. Ça on en prend au moins un. Quelques potions max pour la route. Est-ce qu'on prend les armes pour tout le monde ou pas? Ça fait cher après. Remarque, je peux vendre plein de choses là en fait. Je suis en train de me dire. Regardez. Thank you.
Il y a plein de choses qu'on peut vendre là. Oh non. Oui, c'est bon. Sans garde, veste rubis. Veste sombre, on garde. Casque d'or, on s'en fout. Sans garde. Sans garde. Sans garde aussi. Attendez, absorbe. Et réduit. Ah, c'est pas pareil, effectivement. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. Non, ça, ça dégage aussi. Ça, ça dégage. Arc sain, ça dégage. Ok. On s'en sort. On s'en sort doucement mais sûrement. L'oiseau fait son nid. Ah, c'est pas du tout ça. Ah, la reine a installé le récepteur sacré dans le palais océan pour extraire encore plus d'énergie du lavos. C'est vraiment une bonne idée. Le sage de la vie qui s'est opposé à ce projet en disant que c'était dangereux a été emprisonné dans la montagne d'élémentation. Nous ne pouvons plus rien faire, la situation est désespérée. De toute façon, les sages, son Altesse Jackie recéderait un pouvoir en lui magique extraordinaire encore plus grand que celui de, sa sœur Sarah. Cependant, il déteste ce pouvoir, ce qui rend la reine folle et fait souffrir la princesse Sarah. C'est pourquoi il le refoule et a fermé son cœur aux autres. Et oui, il voit le futur. Il sait tout. Il sait tout, le petit O. Le petit O, il sait tout. Quand est-ce que mademoiselle Sarah va venir jouer avec moi? Seuls les trois sages et Sarah nous traitent comme si nous étions sur un même pied d'égalité. Le nid de Dorocui est un endroit très dangereux, vous ne devrez pas vous aventurer. Voulez-vous passer la nuit ici? Oui, allez. C'est bien fou. Il y a longtemps, le peuple de lumière et le peuple de terre vivaient ensemble, mais ce n'était qu'un seul et même peuple. Et oui, puis ils ont pris du pouvoir et ils se la pètent. Zalo! Si tu trouves une ligne entre les sages, vous devriez prendre la chaîne de relier à la montagne de lamentation. Ok, d'accord. Le sage de la vie a été emprisonné sur la montagne de lamentation parce qu'il s'opposait au plan de la reine. Allons le libérer. Zardi. Ah, un truc là. En force, ça je prends. Hein. Ah, est-ce que en force, il y a un maximum de force? Comme pour la vitesse. Force. Attendez, on va tester. Force 50. Non, qu'est-ce que je fais? Objet. Est-ce que ça passe 51? Oui. Oh, des monstres! Des monstres plantes! Mange boue. Ils sont aveuglés là. Force d'attaque augmentée. Ah non. Ah non. Ah merde, plus on les frappe et plus ils tapent fort. Ah zut. C'est le plan cul. Il est mort. Oh, 10 points de technique, hein. Ici, on peut farmer, hein. On peut farmer beaucoup ici, hein. Attendez, juste pour tester. Regardez. Si vous voulez qu'on farme, allez, on peut s'emmerder. On fait ça. Regardez. Je vous montre comment on s'emmerde, hein. Voilà. On fait ça. Voilà, si on s'était pas assez emmerdé, on peut encore trouver de quoi s'emmerder. Vous avez vu que quand même, ça c'est important. Dans un stream, surtout s'emmerder. Vous voyez?
Et on peut faire ça des heures durant. Bon, évidemment, on va pas le faire parce que je vous respecte un minimum, mais... En temps normal, je l'aurais fait. Hein. En vrai, là, il me manque 20 points. Parce qu'on peut pas dire qu'on s'emmerde un peu. Pour 20 points. Pour débloquer une nouvelle magie. Hop là, regardez, après vous venez ici. Il y a Jean-Mich qui vous fait dormir. Gratos. Et voilà. Et vous pouvez typiquement vous emmerder à faire juste ça. C'est pas mal quand même. Bon petit anthropopex, ça. Hop, elle va débloquer quelque chose, là. Soin 2. Bravo. Là, par contre, ça me paraît bizarre qu'il y ait ce truc-là, là, mais il n'y a rien, et en fait, on sait pas trop. Vous voulez encore faire bolosser ? Pas de souci, on s'occupe de vous. Lorsqu'elle n'ait pas de magie, c'est assez gênant parce que du coup, elle a pas d'attaque. Pas d'attaque de zone. Ah, je vais le faire passer ! Par le vilain. Un petit coup de foudre là. Qu'est-ce qu'elle a l'autre ? Elle dort. Elle dort. Elle dort. Ah oui, d'accord, ok. Ok, j'ai l'info. J'ai l'info, c'est pas une très bonne info. Hein. Je te cache pas que je suis pas ravi, ravi. Parce que du coup, si j'ai bien compris, lui, il fonce un peu quand je l'attaque. Ah non, d'accord, c'est il fait ce qu'il veut, quoi. Il s'en bat les couilles. Parce que j'ai quand même l'impression... J'ai quand même l'impression que... Il se passe quelque chose, là. Ah, pas mal, ça. Ça, c'est pas... Ah non, on va s'endormir encore. Ah, c'est bon. Faut absolument qu'on crève les deux de devant, là. Aïe. Faut absolument que elle s'augmente la rapidité aussi. Comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer ça? Ok, je sais. Ça, on fait ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, je vous jure. Tout va bien se passer. Elle va mettre un coup de rapidité sur toi. Quoi? Ok, quand il le tape, il m'attaque. Oh non, on m'endort pas. Ok, coup du faucon, c'est bien ça. Ça tape pas fort celui de derrière, mais ceux de devant, ils prennent la max. Si on peut arriver à les crever, ça pourrait être intéressant. Ok, faut faire un petit heal de zone là. Est-ce que si on soigne 2 par hasard, ça soignerait pas tout le monde? Déception. Ok, on va faire ça. Ça soigne pas beaucoup, beaucoup ça. Hein. Oh non, pas dormir.
je fais, je me suis trompé de personnage. Je voulais soigner Hera. Et il a. Ah, c'est là. Non, je crois que ça avait réveillé, mais en fait, pas du tout. Oh non. Oh là 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 là, toi tu vas m'énerver, mon petit gars. Attends, te dire tout de suite que... Il faut que ça meure là, il faut que ça meure, hein. Je pense qu'en vrai, si j'avais focus juste celui de derrière, ça aurait été beaucoup plus vite, mais bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai mal calculé mon coup. Je pense qu'en fait, finalement, celui de derrière, c'est lui qui fait vraiment tout. Là, depuis tout à l'heure, je focus les taureaux là devant, là, avec, en leur faisant des gros dégâts dessus, mais en vrai. Je suis sûr qu'on s'en fout en fait. Tu vois, je m'emmerde pour rien. Alors que si j'avais focus full magie celui qui était derrière. Ah. On va voir. On va voir ça, va sauver la magie. Hein. On va vite fait quoi. Ok, cool, ça c'est bon déjà. Ça c'est déjà un bon point. Un petit coup de foudre là, un petit coup de foudre. Heureusement qu'elle a beaucoup de vie elle, parce que elle prend cher quand même. Hein. Il craint pas la glace, parce qu'il craint la foudre. Pas tant que ça non plus. Hein. Après que quand tu auras plus de taureau, il fera plus rien. Hein. Voir le combat qui dure 2000 ans. C'était worse de faire ça. Pas trop, je pense. Je pense qu'il vaut mieux partir sur ça. Vous allez voir. Le truc avec le pilier de glace, là, ça fait tellement de dégâts. Lancer de glace là ou de glaçon, là, je peux quoi là. Ah bah il va m'endormir, super. Ça là, j'ai de glacier. Ça, ça le tue ça. Attends, mais glace, ça lui fait des dégâts et lancer de glacier, ça fait pas de dégâts, je comprends rien. Ah oui, 9. Ah oui, d'accord, et puis à chaque fois que je le tape, il reprend dans la vie. Ok, alors est-ce que si je fais... Ça, au moins, ça marche pas. Ah si. Attendez, qu'est-ce que je comprends pas là? Dès que je l'attaque, il se soigne 250. Ok, mais si je fais que ça, il se soigne moins que ce que ça le. Il prend comme dégâts. Donc normalement, à terme, voilà. Bon, je pense qu'en réalité, il y avait des moyens d'aller beaucoup plus vite pour ce combat-là, mais... J'ai peut-être pas optimisé, quoi, on va dire. On va dire qu'on n'était pas sûr de l'optimisation. Donc ça, c'est le fameux crochet qui volait accroché par des chaînes qu'on comprenait pas trop ce que c'était. Là, cela. Oui, d'accord. Ils sont nuls en plus. Ils sont très nuls. Ah,
Ah, mais on one shot littéralement tout le monde en plus. Ah non, on va pas aller là tout de suite. Parce qu'en bas, il y a un coffre à prendre. Oh mince, je l'ai pas vu. Je l'ai vu dans les moments. Bloquer tech et objet. Oh, ça c'est pas mal ça. Ah, effectivement, tu me bloques les techs et les objets alors que je peux pas t'attaquer. Belle stratégie, bravo. Et on fait quoi du coup là? On se regarde dans le blanc des yeux? Quoi, c'est le combat qui s'arrête jamais? Ok. J'imagine qu'en le tuant, on gagne un objet rare. Bon, oui, du coup, on l'a vu, ils sont très très nuls. Hein. Ah, c'est marrant là, j'ai tué pas les premiers coups alors que tout à l'heure, si. Étrange. C'est peut-être pas les mêmes. Attendez, comment je vais en bas? On retente lui, attention. Non mais il le fait instantanément. Des fois ça touche, mais ça touche à une fois tous les 1000 ans. Tu obtiens casque platine. HP une bombe platine. Bombe platine, DJ. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec, ouais ouais. Oh non, la revanche, on retente. On l'a eu. Charme duo a pris. On peut désormais voler des objets avec elle. Testons tout de suite, attendez. Je vais voir sur Caillouman. Sur Caillouman, il a un truc. Ah non, mais Caillouman sert à rien parce qu'il nous bloque les techniques. Je suis bête. Oh! Séduction. Raté. On va en tuer hein, déjà, histoire qu'il ne fasse plus chier. Ah, ça coûte cher en plus quand même. Il va contre-attaquer. Pardon ? Il m'a mis à 1 PV. Mamie Umpev. Grande main. Est-ce que c'est bien ce truc? C'est une arme pour le robot, ça. Ah, pas mal. Faire une petite tente. Et est-ce qu'il serait pas l'heure de se laisser pour garder le suspense pour le prochain épisode? J'ai l'impression que oui, YouTube. Des bisous. À très vite pour le monde qui est le caillou qui vole.